savez pas comment vous parlez du Reds à chaque match, à domicile, à l'extérieur, vous êtes toujours là derrière nous et vous nous donnez des ailes, et c'est comme ça qu'on peut réussir. Merci à vous. Non, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Les supporters qui sont derrière nous, même si on est quatrième, on y croit, mais on risque de rester quatrième parce que si Guingamp continue comme ça, malheureusement, on va rester au national ou pire, quoi. Je sais pas ce qui va se passer. Mais c'est triste, c'est triste. Il y a quelques jours, tu disais que vous vous sentiez seul, les joueurs, avec ça. C'est plus le cas. Ah, c'était pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit que je me sens avec mon équipe, mon coach et mes supporters. Voilà. C'est ce que je dis, moi. D'aller gagner à Rouen et finir en beauté comme Bayonne, contre Bayonne, en essayant de terminer, battre Guingamp ce week-end. Voilà. Non, je pense que c'est sympa. Bah, je pense qu'ils sont dans l'esprit des joueurs qui n'ont rien lâché. Même si on a fait une super première mi-temps, on aurait dû tuer le match, on aurait dû mener 4-5-0. Après, on s'est mis en danger, mais je comprends les joueurs avec la fatigue. Je comprends. Ce qu'ils ressentent, mais on va essayer d'aller au bout. On va voir ce qui va se passer. Bah, après, il y a des regrets par rapport au début de saison, parce que c'est dommage, voilà, c'est tout. Quand on voit ça, est-ce qu'on se sent moins seul au Racing ? Non, on n'est pas. Je sais qu'ils étaient derrière nous. Après, maintenant, il va falloir continuer. Vous savez, c'est pas facile tous les jours. Rodez, ça a été notre première victoire à l'extérieur. Là, c'est la première fois que le public est présent ici. Donc, il faut leur tirer un gros coup de chapeau parce que de supporter une équipe en national et de faire des déplacements à Luznac, dans des coins où c'est difficile d'arriver, on va essayer de faire le maximum pour eux. Voilà. Ça te donne envie de rester ? J'ai jamais dit que je voulais partir. Après, sincèrement, je pense que je ne vivrai pas une deuxième saison comme ça.